Salut les filles, donc aujourd'hui une petite vidéo pour celles donc qui sont désespérées donc d'avoir des cheveux gras et qui souhaiteraient trouver donc des alternatives naturelles donc pour pallier à ce petit problème. Donc sachez que j'ai fait une recherche rien que pour vous sur Aromazone que j'ai classée donc par type, donc par type d'ingrédients. Donc on va commencer par tout ce qui est actif. Donc vous avez le bacti pur et l'algozinc. Donc le bacti pur donc est sous forme liquide. L'algozinc, il me semble que oui également. Donc vous pouvez ajouter donc dans vos shampoings, après shampoing ou dans vos soins. Donc après à la fin donc de la vidéo, je vais vous présenter par exemple des idées de recettes donc que vous pouvez reproduire à la maison. Donc ensuite nous avons certains hydrolats donc de genévrier, de romarin, de thym à linalool, donc qu'également vous pourrez pulvériser directement sur vos cheveux, faire une lotion capillaire ou les ajouter également à vos soins. Vous avez certaines huiles essentielles comme celle de bergamote sans foucoumarine, donc c'est vraiment très très long. Donc les huiles essentielles donc sont assez olfactives, donc si vous n'aimez pas trop les odeurs très présentes, je vous les déconseille. Par contre, si ça ne vous dérange pas, si vous aimez bien les plantes ou autres, ou si vraiment vous voulez pallier à ce problème, donc n'hésitez pas donc à sauter sur les huiles essentielles qui seront une très bonne alliée pour vous. Donc vous avez donc par contre faites attention à la bergamote donc qui est photosensibilisante. Donc faites vraiment très très attention lors de son utilisation. Mais comme vous ne l'utilisez pas donc sur votre peau mais plus sur vos cheveux, je pense pas que ça puisse poser problème. Vous avez également donc celle de cèdre d'Atlas, de sauge sclarée et de bergamote. Donc la bergamote, faire attention donc aux allergies, donc pour les personnes qui sont allergiques au limonène, linalool et au citral. Donc faire vraiment très attention de ce côté-là. Ensuite, nous avons diverses huiles végétales qui sont le melon du Kalahari, pépins de raisin, yanggu, jojoba, noisette. Ensuite, en conseil, nous avons également l'argile verte et l'argile jaune. Donc l'argile verte que j'ai utilisée beaucoup lorsque j'avais les cheveux gras. Donc ensuite, vous avez certains extraits de plantes que vous allez pouvoir utiliser en tant que shampoing sec. Donc en tant que shampoing sec 100% naturel. Donc vous avez l'arrowroot. Arrowroot, ça s'écrit A-R-O-W, plus loin R-O-O-T. Vous avez également la poudre de riz que vous pouvez utiliser aussi en shampoing sec. Et ensuite, le bois de Panama, donc qui est une poudre, il me semble, qui est une poudre que vous allez pouvoir ajouter à vos soins. Et vous avez également le henné et le chicacay qui sont des poudres que vous appliquez sur vos cheveux en masque qui vont permettre de réguler donc le sébum et de pouvoir purifier donc votre cuir chevelu. Donc avec tout ça, vous pouvez par exemple faire un masque d'argile mélangé avec un peu d'hydrolat, quelques gouttes d'huile essentielle. Après, vous pouvez vous faire une lotion à base par exemple d'hydrolat, d'huile essentielle. Donc, vous pouvez aussi rajouter vos actifs, donc algozinc et bacti pur. Donc vous avez diverses possibilités donc avec ce que je vous ai proposé au niveau des recettes. Donc vous pourrez trouver tous ces actifs huile essentielle, hydrolat et poudre donc divers sur Aromazone. Donc j'ai fait une recherche parce que je me suis beaucoup renseignée par rapport à vous vu que c'est un problème que vous me rapportez le plus. Donc c'est pour ça que je voulais essayer de trouver avec vous des solutions. Donc après, lorsque vous avez tout ça, vous pouvez vraiment faire un peu comme vous voulez. Donc utiliser les huiles essentielles un maximum. Vous pouvez même rajouter dans un shampoing. Au niveau des recettes, vous avez vraiment. Par exemple, là, je reprends mes feuilles. Donc on va essayer de calculer un truc. Donc par exemple, vous pouvez faire un spray à base d'hydrolat. Donc vous faites un tout petit spray pour commencer de 50 ou 100 ml. Ou vous mettez par exemple du genévrier avec du romarin ou bien juste une seule d'entre elles. Donc quelques gouttes d'huile essentielle, donc faites attention à pas en mettre trop, 5 à 6 gouttes suffiront largement. Pour l'actif, on va par exemple mettre un peu de bacti pur dans votre lotion. Vous pouvez à présent par exemple en mettre une soixantaine de gouttes. Après, au niveau des huiles végétales, comme elles sont huileuses et que ça ne se mélange pas à la phase aqueuse, je vous le déconseille. Les huiles végétales donc, que je vous ai conseillées sont à mettre principalement au niveau des racines, puisque ça graisse à partir des racines. Donc essayez de faire ça avant le shampoing et laissez poser toute la nuit. Donc massez bien au niveau de vos racines, mais sans faire avec vos ongles, vraiment avec le bout des doigts ou avec votre masseur de tête ou avec votre brosse.
Après, vous pouvez faire des masques d'argile mélangés à du henné ou du shikakai, dans lequel vous allez pouvoir mettre quelques gouttes d'huile essentielle et un peu d'hydrolat. Donc faites attention parce que l'hydrolat, c'est quelque chose qui part assez vite. Donc ce que je vous conseille, c'est surtout de le garder pour les sprays. Donc voilà pour ça. Et après, au niveau shampoing sec, au niveau de la poudre de riz et l'arrowroot, vous pouvez mettre directement donc, sur vos cheveux. Donc vous saupoudrez un petit peu au-dessus, vous laissez poser, vous passez un coup de brosse et normalement ça devrait éliminer le surplus de poudre. Donc je vais vous faire un petit récapitulatif donc, de tout ce que je vous ai cité donc, dans cette vidéo en dessous de la vidéo. Et donc j'espère que ça va pouvoir vous aider par rapport à ça. Je me rends compte en fait que quand j'avais les cheveux gras et que j'ai commencé à espacer mes shampoings, je m'étais pas du tout bien renseignée à ce sujet. D'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'il y a énormément de choses pour traiter ce problème. Et en fait, je ne fonctionnais qu'avec l'argile verte et l'huile de noisette donc, que je mettais sur mes racines. Et en fait, je constate qu'il y avait vraiment beaucoup de possibilités et je me suis arrêtée avec ces deux ingrédients. Et bon, ça a quand même fonctionné puisque maintenant je suis à 5 jours au lieu de tous les 2 jours. C'est vrai que c'est déjà pas mal du tout, mais vraiment vous pouvez faire des choses intéressantes, vous pouvez mélanger un petit peu de tout en faisant quand même attention à l'utilisation des huiles essentielles. Je mets vraiment un point dessus, je marque un gros point parce que c'est vraiment très important, surtout si vous voulez pas avoir des irritations ou des rougeurs au niveau du cuir chevelu. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à consulter donc la liste des ingrédients qui se trouvera en dessous de cette vidéo. Donc je vous dis à très bientôt les filles, salut!